tu as arrêté chaque coup, Banzai. Et salut tout le monde, c'est Monsieur Zé, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de Hard West, l'Ouest dur. Alors, on en était rendu où? Marchand du destin, on va aller voir un peu le marchand du destin. Tu as rencontré un personnage louche habillé bizarrement qui tenait un drôle d'étal. Il a expliqué que ces objets ne se révélaient que lorsqu'on l'en méritait. D'accord. Bon bah écoute. Je reviendrai. I'll be back. Campement d'Indiens. Allons voir le campement d'Indiens. Les Indiens vivaient sur un petit territoire stérile qui leur avait été offert par le gouvernement. Ils étaient habitués au visage pâle qui n'était quand même généralement pas aussi pâle que toi. Ah oui, bah en même temps on est un zombie donc... Ah oui, c'est vrai, bah tiens, je pourrais acheter la bouteille d'alcool. Parce qu'il y a une bouteille d'alcool à aller acheter. Bouteille d'alcool, tac. Confirmé. Et est-ce qu'il y a autre chose qu'on pourrait prendre? Un élixir de guérison, ça peut être sympa ça. Soit un tonifiant en vertu médicinale, soit une bouteille de pisse de cheval. Ouais bah finalement on va peut-être pas lâcher. C'est pas que, que ça m'intéresserait pas de...
de boire de la pisse de cheval, mais bon. Bon, déjà, on va acheter la bouteille et puis on reviendra peut-être si on a besoin de quelque chose d'autre. Les Indiens viennent, machin. On le sait. On va voir s'ils ont des trucs à vendre. Pipe de chaman. Attrape rêve. Protège des Nefegans qui fait des bombes. On va faire une mutation immédiate de la chance. Ouais. Bon, écoutez, pour l'instant, on va en rester là. Tu es resté quelques heures à boire et à fumer avec les Indiens. Aux alentours de minuit, vous en étiez aux histoires vraies. Ils ont parlé d'un sinistre dieu de la forêt, d'un totem qui le représentait non loin d'ici. D'accord. Les Indiens connaissaient beaucoup de vieillards, mais aucun du nom demeurait. Ils ont dit que les seuls blancs des alentours étaient des hommes de main de l'homme au masque qui braconnait dans la forêt voisine. Ok. Bon. C'est pas mal. Et du coup, il y a le... Bon, allez voir un peu leur totem, là. Sous le totem, il y avait des monceaux d'or, de bijoux et de pierres précieuses. Un aigle hurlant sculpté sur le totem s'est mis à parler au nom d'un dieu infâme. Il a murmuré qu'il exigeait l'un de tes compagnons et qu'il t'octroierait une belle récompense. On va pas voler le... J'ai pas de compagnon, hein, d'accord. Mais non, je suis tout seul pour l'instant. On va pas le voler tout de suite parce que sinon ça va être compliqué. Enfin, je pense qu'on va se faire maudire un truc comme ça si jamais on essaie de voler le truc. Le gibier abondait sur le territoire des Indiens, tellement qu'ils n'en chassaient et n'en mangeaient qu'une infime partie. C'était donc devenu un paradis pour les braconniers. On trouvait leurs pièges partout, ils étaient en train de désamorcer pour s'emparer des appâts, mais par maladresse ou malchance, on pouvait y laisser un doigt, une main ou pire. Peut-être serait-il plus simple de surveiller les pièges et d'attendre l'arrivée des braconniers, quoi de plus réjouissant que de voler un voleur. On va se poster en embuscade. Enfin, les braconniers sont arrivés, tu les as tués méthodiquement, tous sauf un. Il a commencé par refuser de parler, mais ton talent pour infliger la douleur a eu raison de ses réticences. Comprenant que tu ne plaisantais pas, il t'a révélé que le vieux Muret était en vie, mais qu'il avait été capturé. Il a ajouté que le masque l'avait confié au cutéreux de Rancho Rojo. Puis, il s'est tu pour attendre ta réaction. Comme tu ne disais rien, il a cru bon de préciser, il mange les humains. Old man Murray was taken to Cannibal Farm. If you could save him, maybe that tough old bird could prove to be useful. And even if you failed, you'd still put a dent in the masked man's business. Ok. Tu avais eu beau tuer, incendier, semer la terreur partout sur ton passage, tu n'étais pas parvenu à obtenir rien sur le masque. Apparemment, il te craignait. Il le craignait encore plus que toi. Il était temps que ça change. Il dit que le masque avait pris une chose que lui-même cherchait. Il désapprouvait tes méthodes, mais il t'en appréciait l'efficacité. Il voulait se joindre à toi. Bon, bah écoutez, on va accepter. Je pense que du coup, je vais aller faire l'émission avec lui, parce que je vais m'en débarrasser après au totem, pour voir un peu ce que... Je sais plus ce que le totem donne, mais on va voir ce qu'il a comme équipement. Ah oui, c'est vrai, le pulvérateur spécial de glace, je me souviens de ça. Je me souviens. Bon. Bah écoute, on va aller s'occuper de cette ferme des cannibales. La ferme ressemblait à n'importe quelle autre ferme, mais tu savais que les apparences étaient souvent trompeuses. Les entrées étaient gardées par des sentinelles. Jusqu'ici, tu n'avais décelé aucune trace de Muret. Il était certainement fermé quelque part. On fonce dans le tas. On est comme ça, nous. J'aimerais bien aller voir l'écran des cartes. Ah bah j'ai que 3 cartes. C'est la douille. On va tout laisser sur Mister. Passer au combat. Let's go. Jouer. Time was of the essence. Chaque seconde comptait. It would be served for dinner by sundown. Ok, là il doit savoir, il faut kill the cannibals before he died, or free him and patch him up enough to survive the fight. Also, a part of you was curious what the fuss about human flesh was anyway. Ah oui, c'est vrai qu'on va pouvoir du coup aller goûter un peu la chair humaine. Du coup, tue tout le monde, délivre Muret avant qu'il ne se vide de son sang, ou bien tue tout le monde. Ok, d'accord. Plus de 10 tours. Nourris-toi de chair pour reprendre des forces.
Tu sens un peu... Ouais, ça c'est la quête okay, secondaire. Ok, ça marche. Du coup, où est-ce qu'on va aller? Parce que je ne vois pas tout le monde. J'irais bien... quelque part par là. Où est-ce qu'on envoie là? Il y en a un ici. Deux là. Ici, visiblement, il y en a un aussi. Il y en a un aussi là. Les ennemis sont en tête d'alerte. Ok. Donc directement en combat. Alors, oui, au fait, je réponds à une question qu'on m'avait mis en commentaire. Mais que. Oula. Qu'on m'avait mis en commentaire, mais que. Comment dire. Mais que. Vu que j'avais supprimé la vidéo, alors c'était sur. Comment est-ce que c'était déjà? Ouais, c'était sur le dernier épisode de Hard West. J'avais supprimé la vidéo parce qu'il y avait eu un problème avec, avec l'upload. Et je l'avais re-uploadé derrière. Mais... ah merde, on peut passer par-dessus la fenêtre. C'est con. C'est très con, parce que c'est ce que je voulais faire. C'est pas grave, on va aller se mettre... je ne sais pas, moi... Par là. Et du coup, ce que je voulais, ouais, c'était faire du coup, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une personne qui m'a demandé à quoi ça servait le soumettre quand on était en mode, pas en alerte, et parce qu'en fait, du coup, la personne parlait d'infiltration et tout ça, donc tu te reconnaîtras, je pense, dans les celui qui avait mis le commentaire. Désolé, je me souviens plus de ton pseudo. Attention, ah, c'est bon, ça passe. Et du coup, comment... Ok... Le... Oui, donc pour en revenir au fameux commentaire, je vais y arriver. Le fameux commentaire, c'était... ouais, pour quoi ça sert le mode... Enfin, l'action... merde, j'ai oublié comment ça s'appelle. Soumettre. Quand on n'était pas en combat, et en fait ça permet, quand un ennemi te voit, bah du coup il va passer en mode, t'as encore un tour avant qu'il passe en un ou deux tours, je sais plus, avant qu'il passe en mode alerte, et l'action soumettre permet de le maintenir en état de non alerté pendant quelques tours, le temps de gagner du temps, quoi, c'est ça. Buffalo jerky. Buffle séché. D'accord. Strangely, you felt empowered by this casually heinous act. But no sense letting good meat go to waste. Ok, bon, on va peut-être pas monter parce que du coup j'aurais pas le. À la limite, si je vais là. Je sais même pas si elle va me voir en fait. Ok, ici, on a changé d'arme. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Je ne sais plus qui avait posé la question. Voilà. Est-ce que je tire? Ça, elle est en demi-couverture. L'autre, il l'a. De toute façon, je vais le tirer dessus par derrière sur le prochain tour. Ah, visiblement, elle m'a même pas vu. Là, il y a l'autre là qui garde. Faut vite que j'aille le sauver, il reste combien de tours? Ah, lui qui se ramène là. 7 tours il me reste. Bon, allez, ça devrait le faire. Ah merde, il lui restait. Ah, une chance sur deux. On tente le coup. Oui, ça passe. C'est beau, c'est beau. Ah bah elle me tire même pas dessus non plus. Elle a un petit problème. 74, bah écoute, on va s'approcher d'elle au pire. C'est pas un souci ça. Ah ouais, donc on va se mettre là. Boum.
44, on va peut-être se bouger un petit peu. Ah ouais, mais c'est vrai que vu qu'on peut pas passer par les fenêtres, ça c'est un peu chiant ça. J'avoue. Ça me les brise. Par contre lui il va sans doute me tirer dessus. Non, même pas. Ok, bon bah du coup on va retourner en bas. Allez, 53% de sa chance, ça se tente. Hein. Oh, c'est beau. C'est beau. C'est raté. Cannibale dévastateur. Ah mais je suis con, je suis avec le truc, j'ai jamais réussi à le toucher avec ça. Pas d'ici en tout cas. Ouais, je ferais aussi bien de me déplacer en fait. Genre ici. Et nous... Je sais qu'il y en a un derrière là, normalement. S'il a pas bougé. Mais là tu peux toucher personne, donc c'est pas bon. Un endroit stratégique, tu pourras aller. On va tenter là. Ah, tu peux toujours toucher personne. J'espère qu'il est pas derrière. Il a l'air d'avoir bougé le mec. Hein. Trois tours, faut que j'aille le sauver vite. The woodshed smelled of garlic and rosemary. Seasoned gun center just got a whole new name. Il l'avait assaisonné. Ok. Bon. Ah bah il est juste là lui. Ah bah en fait je croyais... Ah, il peut pas bouger parce qu'il y a l'autre qui bloque la porte. Ok, d'accord. Bah écoute, fin de tour. Ah mais il tire pas, c'est quoi ce délire hein? Les mecs ils veulent pas tirer quoi. Toi t'es là, toi mon gars, tu vas mourir. Il reste combien de 4 balles? Ça va. Je peux encore en tuer quelques-uns avant d'avoir besoin de recharger. On va se mettre là. Toi, il a que un... Ah non, je croyais qu'il avait un PV. Okay. 4, ça tombe bien, t'as 4 PV. Tu meurs. Ici, nous, on va aller par derrière. Même s'il a que 4 PV, faudrait faire gaffe en plus, puisque lui, c'est un personnage important. Un dégât, bon, ça va. On a connu pire. Ils arrivent. Meurs. Nous ici on va se mettre genre par là. Ok, 6 balles dans son pistolet, c'est bon. Faut pas qu'il lui tire trop dessus parce que sinon ils vont trop l'abîmer et après il va mourir. Non mais arrêtez, sérieux là. Lui tirez pas dessus, il a rien fait le pauvre. Par contre là malheureusement je vais pas pouvoir leur tirer dessus. J'ai aucun visuel. Est-ce que je peux. Est-ce que j'ai un ricochet de disponible? C'est bizarre que je puisse pas lui tirer dessus directement. Il a pas de vue là. Si je me mets, je sais pas, de ce côté-là, il y a toujours pas. Bon, de toute façon, du coup, il faudrait que j'aille jusque là-bas. Il faudra compter sur les deux autres pour les tuer. Normalement, ça devrait le faire. On va tirer sur celui-là. Boom. Surprise, motherfucker.
swiftness would be the tale of the country. Yeah. The cannibals bit the dust, and Murray's knowledge of the masked man was yours. Mission réussie. Ok, bon bah je pense qu'on va se laisser là. Après la bagarre, tu as remarqué que quelques types étaient en train de s'enfuir à travers les champs. À cheval, tu pouvais facilement les rattraper. On va les tuer. Moi, je veux que comment, je veux que ça augmente le tuer 100 personnes là. Je veux avoir la récompense infernale. Tu as foncé au galop et très vite les ennemis se sont retrouvés à portée de tir. Bien sûr, elles se sont dispersées, certains se sont cachés, d'autres ont rampé. Personne n'a pu échapper à ta rage destructrice. Lorsque tout a été fini, tu es monté au sommet du moulin à vent pour inspecter les alentours. Au loin, tu as pu distinguer ce qui semble être un bar plutôt animé. Tout près d'une ville fantôme, au nord de la ferme, un pendu se balançait sous la branche d'un arbre. Muret était si reconnaissant de l'avoir délivré qu'il t'a dit tout ce qu'il savait sur le mot masque. Putain, il y a une sale tronche. Hein. Ta technique d'intimidation et de destruction avait porté ses fruits. Plus ils te redoutaient, plus les gens se montraient bavards quand tu les questionnais. Tu étais sur la bonne voie, mais tu ne savais toujours pas où se tairait l'homme au masque. Tu as entendu parler d'un démon qui autrefois faisait régner la terreur avec sa bande. Il avait amassé des richesses considérables avant de prendre sa retraite, se retirant dans son arbre, dans son antre, en emportant son trésor. On disait qu'il était particulièrement redoutable, mais que celui qui parviendrait à le tuer hériterait de sa fortune. Ça m'a l'air d'être une mission pour moi, ça. Ok, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai énormément... Bon, même si je vous ai dit dans la dernière... Est-ce que je l'ai mise en ligne? C'est la bonne question. Oui, je crois que c'était la vidéo de mercredi. Je vous ai dit, je déménage en ce moment, donc j'ai pas énormément de temps pour faire des vidéos, et ni même le confort, du coup, parce que... voilà. Parce que je déménage. Et... Mais ce qui est un peu dommage d'ailleurs, parce que j'ai énormément de coups de cœur de Monsieur Boutonnet à vous faire, aussi des vidéos avec Remat qui va revenir sur la chaîne de manière plus régulière, on va essayer. Et puis ouais, j'ai beaucoup de jeux à vous montrer, et puis j'espère qu'ils vous plairont. Normalement je pense hein, que ça vous plaira. Et puis évidemment les vidéos de The Banner Saga et Hard West, l'Ouest dur, qui vont continuer de sortir les mercredis et les samedis comme d'habitude. Ça, je vais essayer de les faire comme si j'essaie de les faire comme d'habitude, et puis voilà. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce vertical ascendant de couleur bleue pour signaler votre enthousiasme, et puis de mettre un petit commentaire. Allez checker les liens Twitter, Facebook, tout ça, si vous voulez plus d'informations au jour le jour, j'ai envie de dire, même si en ce moment on communique pas trop, mais bref. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Monsieur Boutonnet, ciao tout le monde.